Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on prépare un poulet basquaise, donc c'est super simple, vous allez voir. Dans un premier temps, on a besoin de couper en gros quartiers deux gros oignons et deux belles échalotes aussi. Si vous n'aimez pas les échalotes, vous mettez que des oignons et évidemment, si vous n'aimez pas trop ça, vous en mettez un petit peu moins. Évidemment, par la suite, on va lancer le programme haché du robot pendant 6 secondes pour tout émincer. Une fois que c'est fait, on change la lame 4 couteaux pour la pale de mélange, on met un petit peu d'huile et on lance le programme 31 qui est le programme mélange lent à 95 degrés. Pendant ce temps-là, on ne perd pas de temps et on va couper nos poivrons en petites lamelles. Si vous n'êtes pas super bien organisé en cuisine, vous pouvez tout préparer avant de commencer en mettant des petits bols pour les déchets et déposer vos lamelles qui seront coupées. Voilà, moi j'avais fait une variante de ce poulet basquaise, on adore les champignons à la maison. Du coup, j'ai décidé d'en mettre quelques-uns coupés en gros quartiers. Notre premier programme va s'arrêter, donc les oignons et les échalotes sont bien rissolé, donc on va mettre maintenant le coulis de tomate. Ici, il y a l'équivalent de 200 grammes. On met aussi de l'ail, j'en mets beaucoup parce que ça apporte vraiment du goût. Donc surgelé ou frais, comme vous voulez, nos lamelles de poivron, un rouge, un vert, et les trois champignons que j'ai coupés en quartier. On lance le programme 31 qui est le programme mélange lent à 100 degrés pendant 8 minutes et cette fois-ci en vitesse 2. Quand le programme se termine, on vient ouvrir le robot et on met dans le bol 400 g de chair de tomate. Donc au moment où je tourne la vidéo, c'est pas du tout la saison des tomates, c'est pour ça que je choisis de les mettre en conserve. Donc dans nos épices, on mettra une cuillère à café de sucre pour casser l'acidité, du sel, du poivre, des herbes de Provence et un petit peu d'origan, ça apporte du goût. Ensuite dans le bol, on met tous les pilons, donc ici vous pouvez compter avec moi, on en met 8, donc on peut vraiment en mettre beaucoup et ça c'est généreux. Et on lance le programme 31 qui est toujours le programme mélange lent à 100 degrés pendant 50 minutes en vitesse 2. Donc au bout des 50 minutes, le programme est terminé. Donc vous pouvez réserver votre poulet façon basquaise dans un récipient ou bien dans le bol de votre robot jusqu'au moment où vous allez le déguster. Je sais que vous êtes un peu inquiet, mais vous allez voir, la viande se mélange super bien dans le bol du robot. En plus, elle est bien cuite et filandreuse. Franchement, c'est vraiment du bonheur. N'oubliez pas que votre robot se nettoie tout seul. C'est le programme 30 auto-nettoyage. Vous mettez un petit peu d'eau et une goutte de produit vaisselle. Merci les amis d'avoir été au bout de cette vidéo. Vous pouvez accompagner votre poulet avec un petit peu de riz comme moi je l'ai fait là. Et on se retrouve plus régulièrement sur Instagram. Vous le savez, c'est le @cuisineaurobot. À bientôt.